Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur Sorar, puisqu'il est temps déjà de faire le premier bilan, le bilan après alors... un mois sur Sorar. Inscris le 5-3 et on est le 5-4. Donc, un mois pile, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est vrai que je suis passé de 642 euros à... 2598 euros. Vous vous doutez bien que si j'ai mis ça dans le titre, c'est pas des conneries. Allez, je vous explique tout ça maintenant. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à liker si c'est pas déjà fait. Alors, déjà, oui, c'est euh, tout à fait vrai. Je suis passé de euh, 642 euros à 2598 euros. C'est pas des bêtises, c'est pas des conneries. Mais attention, reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Parce que bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des choses que je vais t'expliquer, des choses qui sont possibles pour moi et qui ne seront forcément euh, pas possibles pour vous, puisque j'ai eu la chance d'avoir énormément de filleules, voilà, mais je vais tout te faire voir, on va faire les calculs ensemble et tu vas voir qu'à la fin, bah c'est la vérité, la vérité vraie. En premier, je vais déjà te faire voir bah, tout simplement ma galerie avec des joueurs bah, que j'aime. Bah, du Stéphane Devridge, du Manolas, même si Manolas en ce moment, il n'est pas très en forme, mais je suis sûr qu'il va revenir. Du Thomas Partey, du Marega, Colasignac, Younes, Ariane Robin, Bouzian, euh, Taichi Brandon, Valo et John Nelson. Alors là, dans toute cette galerie, il y en a pour un Ether 48. J'ai fait moi-même le calcul, je ne me suis pas basé sur ce data, en prenant à chaque fois la valeur... La plus faible, par exemple, là, de DeVridge, je l'ai mis en vente à 0,32, mais je l'ai compté à 0,29, puisqu'il y en a un qui a été vendu à 0,29. Voilà comment j'ai fait mes calculs. Donc, déjà, voilà, ma galerie, c'est ça, et elle coûte, si je revends tout, si je réussis à revendre tout, parce que des fois, c'est pas si facile à faire, mais à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, elle coûte un éther 48. Il y a autre chose qui est important de comprendre également, c'est que forcément, euh, on est corrélé à l'éther, puisque, bah voilà, hein, on, on, on se base sur l'éther, sur Sora. Et, bah, euh, si vous ne le savez pas, je vais peut-être vous l'apprendre, ou pas. Mais l'éther a énormément augmenté. Euh, quand j'ai acheté, je crois que j'étais à 1470. Et là, on est à 1729. Bah, ce qui fait que moi, à l'époque, j'avais mis euh, 642 euros. Donc, ce qui me faisait du 0,4 ether, sauf qu'aujourd'hui 0,4 ether ça vaut 700 euros, voilà. Et aujourd'hui, si je voulais mettre 642 euros, je n'aurais que 0,362 360... ether au lieu de 0,4 et bah forcément ça fait quand même une, une belle différence. Donc ça c'est important, c'est important à comprendre. Dans mon bilan, bah, on est obligé d'en tenir compte. Ce qui veut dire que si à l'inverse l'ether avait perdu 3 ou 400 euros forcément, bon bénéfice serait beaucoup, beaucoup moins haut. Mais alors là, tu es en train de te demander comment j'ai fait pour passer du coup de 642 euros ou de 0,4 ether à 1,48 ether Alors, j'ai fait bien sûr de l'achat-revente, mais comme je te le disais, j'ai eu la chance d'avoir énormément de filleuls, bah, notamment grâce à mes vidéos, et ça, je vous en remercie. Je vous rappelle que le filleul, c'est quoi C'est que quand tu T'inscris en passant par mon lien dans la description ou un lien de quelqu'un d'autre. Hein, tu cliques sur le lien, tu crées ton compte. Donc là, je serai ton parrain. Ce qui fait que toi, quand tu vas acheter 5 cartes aux enchères, tu vas en avoir une gratuite et moi aussi. Ce qui fait que, regarde, bah, j'ai eu ça comme, euh, comme joueur. Voilà les joueurs que j'ai eus euh, de par mes filleuls. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Alors j'en ai eu 13 parce que Florenzi, bah, c'est moi, moi qui ai fait mes 5 enchères. Et du coup, Fatal a eu une carte gratuite. Et donc j'ai fait le calcul de combien euh, m'avaient rapporté euh, ces cartes de filleul. Donc en faisant pareil, hein, euh, ce que je les ai vendus, donc je les ai tous vendus ou par rapport à ce que je les ai échangés ou par rapport à la valeur au moment où je les ai eu. Et donc on tombe sur un total de 0,88 éthers. Alors c'est énorme. Hein. C'est énorme, 0,88 éthers. Euh, forcément, j'ai même compté. Euh, D'ailleurs, j'ai compté Florenzi. Normalement, je devrais l'enlever, mais c'est pas grave. Donc 0,88 éthers, Une moyenne de 0,063 éthers. Alors, ça, c'est très important. Très important. Ça veut dire que là, sur 13 joueurs, j'ai eu euh, mon plus gros joueur qui est Resus euh, Ferreira qui coûtait 0,2 Ether. Voilà. Mais j'ai également eu énormément de joueurs qui coûtaient que dalle. J'ai eu un caboret que j'ai revendu 0015. Voilà des joueurs euh, 0016. Il est où le petit euh, là Bilal 0016. Donc voilà, ne vous attendez pas forcément à avoir un gros joueur. Donc comme je vous l'ai dit, la moyenne c'est 0,063 Ether. Donc quand vous faites vos cinq enchères, je le répète, je le répète, je le répète, le but de Sora n'est pas de faire 5 enchères pour avoir ta carte gratuite. Ça, c'est le début et donc c'est un bonus. Tes enchères, tu dois les faire tranquillement. Tu as 90 jours pour faire tes 5 enchères et avoir ta carte gratuite. Donc prends ton temps et je te le redis l'objectif, c'est pas d'avoir ta carte gratuite. L'objectif, après, c'est de développer euh, ton club, développer ton line-up, comme moi, je l'ai fait. Si tu fais tes 5 enchères à l'arrache, tu achètes des joueurs n'importe comment, même pas cher, mais derrière, qui sont invendables et que tu te retrouves avec un Charles Caboret. Quel est l'avantage? Quel est l'objectif? Bah Tu vas être déçu parce que ce sera nul. Et forcément, on va toujours te faire croire que y a, euh, tu peux toujours trop tomber sur un joueur énorme. Or, c'est vrai, il y a un de, moi, de mes filles elle, qui a eu Casemiro. Casemiro, il s'est se vend, vendu un éther. Forcément, le gars, euh, il a peut-être mis, je ne sais pas, 300-400 euros et il s'est retrouvé avec 1700 euros d'un coup. Donc là, oui, il est, il est gagnant. Mais il bah, y en a d'autres qui sont tombés sur des Charles Caboret. Qui, qui valent que dalle, qui valent 30 balles. Donc là, forcément, c'est ce que je te dis, fais attention, ne te précipite pas, les enchères, prends ton temps. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez eu, ça m'intéresse, ce que vous avez eu avec votre, avec votre parrain, et vous allez voir que bah, la plupart du temps, on a quand même des joueurs un petit peu claqués au sol. Donc encore une fois, ce n'est pas un objectif. Et donc, si on déduit les joueurs que j'ai eus grâce à mes filleuls, donc les euh, 0,88 éthers, si on les déduit à mon BNF de 1,48 éter, on se rend compte et eh ben que j'ai fait euh, 0,2 éter de bonus, de vrais BNF, où là je les ai fait moi-même avec de l'achat revente, ce qui fait que j'ai mis 642 euros et j'en ai gagné euh, 357 en plus, donc c'est plutôt pas mal. Hein, du coup je suis passé de 642 à, euh, à 1000, on va dire à peu près, oui à 1000. Donc voilà, mon vrai BNF, ce serait plutôt ça, 642 à 1000 si on enlevait mes filleuls, après mes filleuls sont dans mon club, donc je suis bien obligé de les compter. Mais forcément, vous, vous n'allez pas avoir 13 filleuls, ça va être très compliqué. Mais déjà, vous pouvez tout à fait en avoir un ou deux ou trois. Vous invitez vos potes, vous en parlez, sans leur vendre du rêve, sans leur faire croire que forcément ils vont gagner énormément d'argent. Comme je vous le répète, peut-être que moi, si l'Ether s'était écroulé, bah j'aurais perdu de l'argent, c'est possible. Là, terres est haut, il est à 1700 euros. Est-ce que c'est le moment de rentrer dans ce rare Je ne sais pas, puisque... Certains annoncent que ça va exploser encore plus, qu'on passerait facilement les 2000 euros au cours de ce mois d'avril. Mais euh, c'est des spéculations. Ça peut très bien retourner à 1300 euros. Donc si tu rentres aujourd'hui où je te parle, où c'est à 1740, euh, 40, je te redis, 1730 euros. Voilà, si tu rentres aujourd'hui à 1730 euros et que dans 15 jours, c'est à 2000 euros, tu seras gagnant. Si dans 15 ou 20 jours, c'est à 1300 euros. Ça va être très compliqué. Tu pas intérêt de faire des erreurs. Je te rappelle que c'est un placement d'argent avant d'être un jeu, pour moi. Au prix où c'est, c'est ça avant tout. Encore une fois, pour moi. Maintenant, on va parler d'achat-revente puisque forcément, si j'ai fait un BNF comme ça, c'est que j'ai fait de l'achat-revente. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme achat-revente et mes prochains paris euh, au niveau de ma galerie puisque ce que j'ai acheté, il y a de grandes chances que je les revende assez vite. Alors, première carte vendue, Dimitri Payet. Dimitri Payet. Que j'avais acheté 0,086 et que j'ai revendu 0,095. Donc petit bénef. Ça fait toujours plaisir. Deuxième bénef, Brian Linson. Brian Linson que j'avais acheté 0,079. Que j'ai revendu 0,1. Hein. Donc plutôt pas mal. Brian Linson. Tiens là, exemple, euh, exemple parlant. De l'anneau euh, von crudge Que j'avais acheté aux enchères 0,31. Bah, vous voyez que je l'ai vendu. 0,028. Donc j'ai perdu de l'argent. Mais là, c'était juste pour avoir mes enchères. Donc, perdre si peu. Là, j'ai perdu 6 euros. Ça va. Mais si tu n'arrives pas à le revendre, c'est pas 6 euros que tu vas perdre. C'est 47. Donc là, ça va. J'ai quand même limité la casse. Imran Louza, que j'avais acheté de mémoire 0,72. Donc j'ai encore fait un petit bénéfice plutôt sympa. Cuisance. Alors, cuisance, j'ai quand même fait une très grosse affaire. Cuisance. Euh, je l'ai acheté 0,135, je l'ai revendu euh, 0,2. C'est une de mes plus belles affaires en achat-revente, mais ce n'est pas la plus belle. L'autre, elle arrive. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour Cuisance. Je regardais le match de Marseille, euh, je ne sais plus contre qui d'ailleurs, je regardais le match de, de Marseille et Cuisance, il est rentré à la fin. Et il a marqué. Et en fait, je suis allé directement sur sa carte et j'ai acheté la moins chère qui était à 0,135. Et forcément, vu qu'il a marqué, son prix a augmenté. Et du coup, je l'ai revendu euh, 10 jours après 0,200. Ce qui est plutôt une belle affaire, on ne va pas se mentir. Et ma, ma plus belle vente, ma plus belle vente, c'est Putna. Puisque Putna, je l'ai acheté 0.26. Il était à 0,30. Enfin, il était à 0,3. J'ai fait une offre à 0,26. Pensant que ça n'allait pas être accepté. Le mec a accepté. Je l'ai acheté le 24 026. Revendu le 28 035. Donc là, j'ai fait un BNF. Un bénéfice énorme. Voilà. J'ai fait euh, presque 0,1 de bénef. Donc 170 euros à peu près de bénef. Là, c'est vraiment une très, gros, très, 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 très grosse affaire. Très 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 grosse affaire. Maintenant, au niveau de ma galerie. Au niveau de ma galerie, on a euh, deux joueurs de MLS qui pour moi euh, vont monter. Donc je les ai achetés, je sais plus, autour des 0,6, 0, je crois. Alors lui, non, lui de Nelson, c'est un parrainage. C'est un parrainage. Et euh, Valo. Valo, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Euh, je crois que je l'ai acheté 0.6. 006. Euh, donc, ça, c'est des parrainages. Maréga, je l'ai acheté 0.15. Je pense qu'il va monter. Parce que Marega, en ce moment, il est dans une période creuse. Mais il y a la Ligue des Champions. Il joue contre Chelsea. Et à la prochaine Game Week, il y a très peu d'équipes. Mais il y a Porto, notamment, donc je pense que Marega, son prix va monter et j'espère qu'il va marquer. colasignac je l'ai acheté, parce que c'est le 1 sur 100, je l'ai acheté euh, 0,60, je crois, très peu cher. Younes, alors Younes, je l'ai acheté très peu cher, encore une fois, je l'ai acheté 0,130. Là, malheureusement, on ne le voit pas, 0,130. Aujourd'hui, il en voit à peu près 0,2, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il s'est blessé au dernier match, mais c'était juste un coup, donc pas de souci. Ariane Robin, lui, je l'ai acheté parce que pour moi, c'est un collector. Ariane Robin, je suis très content de l'avoir dans mon club, surtout s'il arrête sa carrière cette année. Et je pense que son prix risque d'augmenter. En tout cas, je l'imagine. Je l'ai acheté 0,08. Thomas Partey, Thomas Partey que j'ai échangé contre Arthur, que j'avais échangé contre Jesus Ferreira. Donc, rappelez-vous, Jesus Ferreira, à l'époque où je l'ai eu, il coûtait 0,2. 0,2, je l'ai échangé contre Arthur, je l'ai échangé contre Partey. Aujourd'hui, Partey... Euh, il, il se vend à 0,35. Donc là, encore une fois, je fais un gros bénef. N'hésitez pas avec les échanges. Les échanges, c'est quand même très fort. Manolas, Manolas, qui est un peu comme Marega, qui est dans une période creuse, qui revient de blessure, mais qui est titulaire indiscutable avec Naples. Naples, qui va aussi jouer à la prochaine game week. Donc euh, Manolas, Koulibaly en général, c'est très fort. Et Manolas, euh, je l'ai acheté 0,70, euh, je, je crois, de mémoire. Euh, ça, c'est un parrainage. Alors, Devridge, c'est très particulier parce que je l'ai échangé contre beaucoup de joueurs. Des joueurs qui valaient, euh, je crois que j'ai échangé contre 6-7 joueurs. Des joueurs qui valaient pas cher. Au cumulé, celui à qui je l'ai échangé est gagnant parce que je crois que la valeur, elle était à peu près de 0,35. Mais moi, je préfère avoir Stéphane Devridge parce que Devridge, c'est pareil. Il revient de blessure. Euh, il n'était pas titulaire les derniers matchs à cause de ça. Du coup, son prix a, a baissé. Mais Devridge, je pense qu'il peut facilement retaper les 0-4, puisque comme tu vois, il euh, y, euh, y a à peu près trois euh, semaines, il était à peu près à 0 ,4. Après, même si euh, je le vends que 0-350, ça me va tout à fait, hein, ça me va tout à fait, mais je sais qu'il va revenir. Steven De c'est un mec qui fait des très très bons scores, qui est très rarement dans le rouge. Là, c'est parce qu'il avait joué 16 minutes, donc vraiment, pour moi, très bonne affaire De Vries, et en plus... L'Inter joue aussi la prochaine Game Week. Donc, tu vois que j'ai misé vraiment là-dessus. La plupart des joueurs sur ce rare pensent vraiment très court terme. Et on l'a vu pendant la trêve internationale. On a vu que les prix ont vraiment baissé de 15, facile 20%. Et ont réaugmenté dès, euh, dès les, les lundis, mardis, juste avant la Game Week. Parce que voilà, très court terme. Donc, vous n'hésitez pas à anticiper un petit peu d'une ou deux semaines sans forcément vous projeter très loin parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas... Voilà pour mon bilan du premier mois. Du coup, on refera un bilan bah, euh, futur pour voir euh, ce qui va se passer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous où vous en êtes. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. Ciao les mecs.